bouffé du noir, il a bouffé du harachi. Et maintenant, quand il a tout terminé, il est obligé de continuer à bouffer ce qui est autour de lui, ses propres fils, les autres tribus qui ne sont pas effectivement dans le système, qui ne sont pas en tout cas prises en considération dans le système. Le système va se rétrécissant au point même de devenir un système tribalique ou tribaliste, comme vous voudrez. C'est pourquoi certains estiment aujourd'hui que c'est la famille de Wuli Abdelaziz qui détient toute l'économie du pays. Et la crise que nous vivons aujourd'hui n'est en fait que le reflet des contradictions entre les tenants du système pour le contrôle du système. En fait, c'est ça. C'est cette crise que nous vivons aujourd'hui. On veut l'habiller en crise politique, il y a des problèmes ici entre les... Non, la crise concerne les éléments du système pour le contrôle du système. C'est ça la vérité. Chacun d'eux veut reprendre, n'est-ce pas, le pouvoir et continuer. C'est pourquoi nous disons que même les gens de l'opposition aujourd'hui, s'ils prennent le pouvoir demain, ils peuvent continuer le système exactement comme les autres l'avaient fait. Et nous allons continuer à nous battre contre eux. Par conséquent, ce système ne peut pas effectivement se renouveler parce qu'il est maintenant arrivé à bloc. Et le dialogue qui est prévu aujourd'hui, c'est un dialogue pour trouver une solution à leur crise. C'est ça la vérité. Le dialogue qui est proposé aujourd'hui, c'est un dialogue pour résoudre la crise dont je parle entre les tenants du système. Moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné par ce dialogue-là. C'est un dialogue entre les tenants du système pour le contrôle du système. Voilà pourquoi, de manière principielle, nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. Mais, comme nous avons toujours prôné le dialogue, quelqu'un disait que c'est un groupe politique qui se réclame des flammes et qui pense que si aujourd'hui ils vont au dialogue, c'est pour appliquer une conclusion du manifeste du négro-mauritanien opprimé. Ce manifeste, je crois, cette conclusion, je crois que je l'ai sous les yeux de la recherche. Voilà ce que disait le manifeste dans sa conclusion en 1986. Nous pensons que la clé du problème des Noirs et pour l'avenir de la Mauritanie tout entière réside fondamentalement dans la destruction du système Beydan, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et l'instauration d'un système politique juste, égalitaire, auquel s'identifieront toutes les composantes actuelles du pays. Cela est possible. Il faudra que les négro-africains ne s'insurgent pas contre les Beydans en tant que tels, mais contre l'appareil d'État arabo-raciste, arabo-berbère raciste et oppresseur, afin que blancs et noirs puissent enfin dialoguer à égalité et se battre ensemble pour des lendemains meilleurs. Les problèmes mauritaniens doivent être posés entre mauritaniens, discutés par les mauritaniens et solutionnés par les mauritaniens eux-mêmes. Notre amour pour ce pays commande à inviter toutes nos nationalités à un dialogue de race et de culture dans lequel nous nous dirons la vérité pour guérir nos maux. C'est ça la conclusion du manifeste en 1986. Mais s'il y a quelqu'un parmi les héritiers des flammes, parce que moi je me réclame héritier des flammes, je suis membre fondateur du flamme originel. Et il faut bien le savoir, il y a le flamme originel et il y a eu le flamme qui est venu après. Moi, je me réclame du flamme originel. En 1993, j'ai fait une interview ici pour dire que je suis membre fondateur des flammes. C'était difficile à l'époque, sous Maouya. Je l'ai dit dans une interview qu'on peut vous montrer. Donc moi, je suis l'héritier du flamme originel et cette conclusion-là est mienne. Et je pense que nous sommes parmi ceux, je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais nous qui sommes restés ici dans le pays, qui ne sommes jamais sortis, sauf pour aller et revenir, et qui, depuis 1990, date notre sortie, jusqu'à maintenant où je vous parle, nous sommes restés lutter à l'intérieur du pays pour trouver avec les autres moyens mauritaniens, n'est-ce pas, un compromis historique pour nous permettre de passer le problème. Là, en fait, nous ne sommes pas sortis. Nous n'avons pas mené de lutte armée, nous n'avons pas
pris une autre orientation que celle du dialogue. C'est ce que nous avons promis jusque-là. Et comme je le disais l'autre jour à l'Assemblée nationale, à aucun moment on ne peut nous indexer pour dire que nous avons fait du mal à un Mauritanien ici. Nous n'avons tué personne. Nous n'avons en tout cas blessé personne. Nous avons toujours posé nos problèmes correctement. Même après avoir vécu le plus difficile pendant 4 ans, n'est-ce pas, dans les îles de Walata. Donc, c'est nous qui réclamons cette conclusion, n'est-ce pas, des flammes de 1986. C'est important à noter. Cela dit, nous avons donc toujours été pour le dialogue. Mais nous avons discuté avec les autorités de ce pays qui nous ont invités à ce dialogue. Nous leur avons dit que nous sommes prêts à aller à un dialogue, mais à condition que le dialogue en question discute en premier lieu de la seule question importante dans ce pays, en vérité, c'est la question de cohabitation. Ma sœur Kadjar Mali Diallo m'excusera si de temps à autre je les égratigne un peu, parce que je me rappelle nos grands combats d'antan, quand nous pensions que la question de cohabitation, ce que nous appelions la question nationale, était une question prioritaire. Eux, ils pensaient que c'était une question secondaire, que la question fondamentale, c'était d'abord de lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme, et que les problèmes entre les Mauritaniens, c'est des problèmes secondaires qui doivent être réglés après. Je ne reviens pas sur tout ce qui s'est passé, mais à les écouter aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant, cette question de cohabitation est devenue principale. C'est me semble-t-il, en tout cas, ce que je pense. Elle est devenue principale. Mais c'est tant mieux. Mais on aurait peut-être perdu trop de temps. On aurait pu éviter nos querelles d'antan pour avancer plus vite. Et aujourd'hui, la situation est devenue telle que je me demande si l'impérialisme est encore là ou si le néocolonialisme est encore là. Mais ce qui est certain, c'est que la situation des Noirs, des Nord-Africains, est devenue de plus en plus dramatique. Alors, nous pensons donc que c'est une question essentielle, fondamentale. Il faut commencer par là. Et si on ne commence pas par là, nous n'estimons pas nécessaire de discuter. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de ces réunions où on dit on va en parler. On va en parler. Mais on n'en parlera jamais. On attendra que les débats soient terminés pour dire bon, maintenant c'est l'heure, on ne peut plus en parler. En tout cas, on escamote le débat. Alors, pour que le débat ne soit pas escamoté, nous voulons que ce point soit figure en bonne place, n'est-ce pas, en premier lieu dans le débat. Ça, c'est la première condition que nous avons posée. Et nous avons dit que par rapport à cette question, nous sommes intransigeants. Dès que le problème n'est pas inscrit en premier point, nous nous levons et nous partons. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, et il faut aussi rappeler que nous avons fait des efforts pour discuter avant cela. Parce que nous avons fait simplement, nous avons capitalisé ce qui s'est passé. Parce que nous avons participé aux journées de concertation au temps de Sidi Cheikh Abdallah. Nous avons participé aux états généraux de la démocratie au temps de Oulé Abdelaziz qui l'avait organisé. Nous sommes venus, nous avons apporté notre contribution. Nous-mêmes, nous avons discuté directement avec le pouvoir sur la base de 7 points que nous avions posés. Et le pouvoir l'avait accepté, paraphé, n'est-ce pas, dans une cérémonie à l'hôtel Vissal. Le pouvoir n'a jamais appliqué aucun des 7 points que nous avions posés. Et nous avons participé dans la même foulée aux négociations de 2011 auxquelles certains partis de l'opposition n'ont pas participé, avec les Messoud, avec les Bojelou Hamed. Il y a des conclusions qui, à ce jour, n'ont pas été appliquées. Et aux états généraux de la démocratie, si vous vous rappelez très bien, Amadou Dada avait commencé les discussions, mais il ne les a pas terminées. Il est parti, il a bougé la salle. Pour le reste, il n'est pas venu. Alors, ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est qu'en vérité, comme nous disons chez nous les Halpla, la Mungu, il est jogi facirabe. Et vous jogi facirabe. Facirabe, mako. Kobon ben yime, kobon ben pelle. Le pouvoir ne compte que sur la présence de certaines personnalités politiques, certains partis politiques.
Si ces partis politiques ne sont pas présents, quel que soit le dialogue qui est engagé, il est à refaire. Pourquoi vous faites ? C'est pourquoi, depuis les accords de Dakar, la crise perdure. Parce que les éléments essentiels que le pouvoir voulait ne sont pas là. Sinon, il y a eu des dialogues qui ont été faits avec des conclusions qui n'ont jamais été appliquées. Par conséquent, nous avons dit à nos vis-à-vis que puisque maintenant, le dialogue ne peut aboutir, ne peut avoir, n'est-ce pas, une incidence que si certains partis sont là. Nous attendrons que ces partis soient là pour ne pas dialoguer dans le vide. Mais si vous ne les femmes de Bandirabe. Et les Ngandis, ils sont amis à notre dame et Botari. Botari, il y a un état qui est Samba Ara. Quand on regarde la vie, Samba Ara, il y a Samba Ara, il y a un jour, ça a un dame, il y a Samba Ara. Il y a un dame, il y a un dame. Il y a un dame, il y a un tous les dialogues qui ont été faits n'ont pas abouti. Parce qu'il y a des personnalités, parce qu'il y a des groupes politiques qui ne sont pas là. Mais nous attendons que ces groupes soient là. Pour ne pas perdre notre temps. Et notre langage. Voilà pourquoi nous avons dit que tant que ces groupes politiques ne sont pas là, nous ne perdrons même pas le temps de venir. Cela ne veut pas dire que c'est à cause de ces groupes-là que nous ne venons pas. Non. Et nous l'avons prouvé par le passé. Mais c'est notre expérience qui nous montre que nous n'avons pas à perdre notre temps pour un dialogue dont les conclusions ne seront jamais appliquées parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Voilà donc la deuxième raison qui fait que nous avons refuser de venir à ce dialogue. Je crois que si ce n'est pas clair, c'est en tout cas ça. Premièrement, il faut que la question de cohabitation soit inscrite au premier plan, parce que pour nous, c'est le plus important. Deuxièmement, et qu'on en discute, deuxièmement, si certains partis politiques, si certains leaders politiques ne sont pas présents, nous ne viendrons pas pour ne pas perdre notre temps. Voilà, en gros, les raisons qui nous ont poussé en tout cas à refuser de participer à ce dialogue. Donc Mbimi, quand on dit que l'on a dit qu'on 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 kanyu ran de gudiri gudo lamu non gudo cañu non hankal hebi jaabi ha tirde guwaawa waylaade guwaawa waya to ko dum andi system way kon neddo ni jibinte mawna so boyi na way waylaade wonto goddum a fami ha boy ya wonto goddum ha boy kon non so tawi renaaki so boyi system hore mudum maya sabo dañani waylaade na passer nouvelle system moy tan yo non no biiden ni kanko o fawi ko e gede tati o fawi ko ko wiyete machungago o fawi ko ko wiyete dabangan kagal wal mbien racisme a fami e ko tubo ko mbiara feodalisme edo gele tati kambi systeme moyten o do systeme non o jibina ko gilay moxtarul dada ko moxtarul dada o jibina o mareba o mareba ndewari haye maw yawu se metaya on non tuti gal do o pusi systeme ha wado ha hebi jabi hatti il wayna assis jone won tankoy dumni demo na ina sin kamoran kono kam ko gasdo haw lad sabu hande o do system o wadi balaydo hardane ngala gedal e der leydi mauritan ala fodo be ketti kala nokkuji do jode teto bangi lambe ngala kala nokkuji do jode teto bangi lambe ngala he wana to bangi politique wana to bangi fagudu wana to bangi ko wiyete hono ono sofaaji wona to bangi pinal ala fof nokko mo garta ha tawa don balebe ni joodi biya kanyum dum do jeegi gedal gotal be keddire no ko leydele mabbe nana kette dum do non systemo ina wayno o gasi o hawi o handima dum min kay wiide o hawi o handima do hawi o handi do o waawa han kadi waylaade sabu hokki yeru ko wiyata afrique du sud leydi Nelson Mandela system mabbe mi werani burno bonde system men kono kambe kam apartheid kam gede mun laabi na wiccer kono kete ton min kete ga min jogi fo no on kan dane ay dara so na don diggo min kon maccu dum woni apartheid bonnato afrique du sud o do apartheid non de yetti ha hebi nokku ko tubo ko be e koy mon tubo ko be france tubo ko be amerique tubo ko be angleterre kany mi jewndi gede
ngare kureji mo en tubu ko wonbe Afrique du Sud be bebe so tawi on jawnaaki mbaydon jabal tanira mon arobe ko jorbe nignete jido leydi sabudum onon kon himbe seeda kon ujunnaaje seeda on himbe beedo non ko million ngaaji himbe onon jogi bombarto mi onon jogi kaalisma gasra ko dara ko nafara do e judde ko balé be jogori heptirde on laamu juuj kala ko mbawde hen te tanira ko mon kon be beddo men geej dum non balé fere jiton gile joni maslaha hakkunde mon e mabbe tawana ni odo mbaa wurtude jokkon wurtude der leydi e on jumuno non be kawri Nelson Mandela ko gurgo ko gorko mo ganda hono mo bebani be kaldi mun ko e der kaso Mandela ne woni kaso ko don halda o yaltinte mo Robben Island be Paul Smalls be ngittamo don be ngarabe yimbe be mo haldere be ngartamo don be kalde makko ha woddo be nandiri ko ni woni be kawri wonde hono laamu ngu yo ruto e keweji dum fitran yo ruto e balede ko eddi ko fakkude leydi be mawta be monata dum be monata dum kon non ma yile holna watte ha balede ne kany men na babam taade kany men na jaara yeso ha nani keppobe e der dum sa jeewi hande e der Afrique du Sud al tawaton yimbe be ganduda ina nyenga Nelson Mandela be bi Nelson Mandela ko haaje tum ko be nawdi ni fernde majjani sabu ha joni minan balawi min dañan saga men der leydi ha joni min jodi min galani kee ha joni fakkundu won ko jittu ko be kono men bibi Mandela kany wadi ko wawno Mandela kany wadi ko wawno o itti laamu ngo wadi juddi balabe kany jogi pouvoir politique jogi be pouvoir politique non na por jogade peje no madara ha kany men na baa bamtaade ha gono hono der leydi haa kambe kette laamu ngo dum don non ina wani Afrique du Sud wadi bimi non enen cañu leydi men la laamuji pawde dew men di kambe non be mbaawa be ngalaano on hakkille de wonno ko be aybube ko be nyaamobe tan hay darbe ngandetaake hay darbe nan ha be nyaami fof be nyaami balel be nyaami herne be defdi jonno ko nyaamete gasabe be gasi be dutti may koy mabbe be nyaamondira ko ni woni haala ka ko be nyaamondir do non hankadi faade de wadi hakkunde mabbe won tribuji hanki ko laaminoori jonnati laamaaji won tribuji meela habde laamu jidi hankadi laamaaji ko deedon haalen non woni hakkunde mabbe wodo saaji woni crise biyetelo ko dum don so nanni ni wiye crise ko wodo woni crise crise goddo waadani crise ko systeme o hoore mo woni crise e be jiido holto goddo heptude taltali laamu odon crise non jalo quartier de junior ko purbe jeewa jeewa maslaha hakkunde mabbe haade mbaawa dépasser de odo crise ko heewi hende kewno yewtude ko hakkunde tribuji di be jaar ko caggal caggal jinuji to batuji mbare ton be kaldo hakkunde mabbe ha joni ko dum tan ha joni ko dum tan ko dum don woni maslaha mo be jiido hop pour mbaawa dépasser o crise bi mi do do maslaha non jalo quartier do odo min on nawarani mi ni o jalo nawarani mi sabu ko be jiirto ko so be kewi dum min ala hen gedal gala hen gedal de wonno ko pour tokkudi systeme o e der lum be rewi won opposition mo ganda na dari hen de ko opposition no won be ngoni no opposition hanke cenki kepti laamu mbadi ko mbela mbadi ko mbela be do ne so kepti laamu be jokkar ko systeme o so tawi gaga mawdo o regla tank question national regla ka jettu laamu bi medium halde ni hay television bi Ibrahima Sarr wona ñande 2007 wadi wot 2009 wadi wot 2014 wadi wot sino on par hasard tan on wortino kam hawni president bi mi waata wayru systeme o mental bi dar xam yebel fitu wonnako be der gitu kam en der mental taban tati be jabal sadu me woni yeru mum woni yeru mum ko Nelson Mandela no ko Barack Obama je Barack Obama c'est un président noir le premier président noir des États-Unis. Est-ce que hadi hande américain balé be fellete Obama parce que système o kany la minimum ko waawat dum dum nan o do jalo quartier do wala jalo ko men wala jalo ko min balédjo jiri todo yo anani yo système o yo fus so tawi jalo ko bar puso o système o na wadé non on so tawi mi dañi tawtrede on jalo e yo taw paré ngosi de fut dum non ma pundi ruya on jalo wala ma pundi ruya de on jalo wada so tawi non be noddi kam min mi salta ko jalo mi holni non wonde flam e der kayit mum mo wonno en 86
enerra jofnirde halamud hebina wiide kanyum de woni yitte bum ko murtanabe fof yo njodo kalda beren raga problemuji man tabo problemuji mo tali pore ngi hakku murtanabe dum woni kay flab 1986 mbimi non so tabi won ciinudo odo conclusion flam wadi ko minen wonno do der leydi minen be meda yattu leydi pour il y a habé chaga de ko mi ngorno e min kuccite maw yaw fudame taya nangé hore kellew e min batay mudum pedede gis gilay fudik hayatan ma ufd hayatan ma ac hayatan ma app hayatan ma joni amin kuccite systeme kam e mudum min jettani tedel min jettani paaka min jettani wolwer ala fook min jetti so na min kala bandiraabe ngare nandirem ko minen kadi kali won reftobe hen joni min bi so tawi safalbe mauritani njoddaaki kaldi no tubu ko afrique du sud kaldi no ha ndegli systeme wen en jaatay dum les morts no les arabes non ka discuter avec eux entre eux. Tant que les arabes ne régleront pas cette question entre eux on bougera pas dans yeta parce que le fond du débat en fait c'est que la question du dialogue elle se discute aussi au niveau de l'opposition. L'opposition n'a pas fait son dialogue. Nous qui nous disons de l'opposition, nous n'avons pas les mêmes positions. C'est très clair. Je disais l'autre jour à mes amis de l'UFNDU qui étaient venus me voir, je leur ai dit, vous comprendrez très bien que moi, Ibrahim Mokhtar Sarr, je me verrai très mal en première ligne dans une manifestation de rue contre le régime de Abdoul Abdelaziz avec à mes côtés certaines personnes que je ne peux pas citer. C'est clair. Nous n'avons pas à discuter entre nous. Il faut que l'opposition dialogue entre elles pour arriver à un consensus sur la question de cohabitation. Pour aboutir peut-être à ce que peut-être la JDMR va y réfléchir pour faire des propositions très claires pour aboutir à un pacte pour l'unité nationale. Tous ceux qui adhéreront à ce pacte pourront ensemble mener des actions communes parce que maintenant c'est clair, nous savons exactement où nous allons. Kodum wani ko jinnomi wide mele bandira be pama. Sumadi odo dialogue wonama men so tay woni non so min no dawmi ngar so min ngari e dialogue aji bieno di fof min ngari e dialogue mo sidul cheikh wala do wiene journée de concertation nyadi kaldigal min ngari hen tiagal dum en wadi fi les états généraux de la démocratie min ngari hen tiagal dum min na koy amen min joddi may lamu min kalde murme tobe jeerini ha gasi wala hotel misal jeerini fo no joddi lamu wi signini jabi ala hen foko humni tiagal dum wala ma do dialogue 2011 min tawtarama kon min tawi kala ko min kaldo ala hen ko wada hol ko wadi de wonno won gay mawdi won partiji mawdi di ngarane batuji di te min tawi lamu ngu ben so ngarani de kay dara gasani dum non ko dum wadi min bi so tawi ben ngarani min ngarata tampinde ko ya men haade ma ben ngartande hunde sine min da tata ha ben ngar ko no bandirabe hay so tawi ben ngari don kat moji yimbe pam kay so ben fo ngari njodima min mortalna fo so njodima so be calima tobere koddigal ngal wona inscrit en premier point comme ni Oumar Robin dial tammi jahlaw la kadinon ko mbaawi nandinde fo be nandinde ko baay bam de koule fo yebam ko baay bam de koule fo yebam fo ro koy do amen tan no fo fo no do amen ni min meeda wadde ko referendum mortali ko faté constitution meeda wadde 61 tan be defam en 91 mi wad boycott en 2005 wala 6 mi wad boycott mi meeda wotande constitution mortali sabu o jettani ko fori wonde ko pour yettinde gaggaaji leydi e fawdum anani e nondal e patal hakkunde be leydi fof kono onon constitution non ko on fawé do meden ala ko bawden hen ko leydi gonde onon constitution kanyum wari ha gonden député ren kala yitte men on constitution kanyum nawna en wala tan ko kotu ko non wala yitte mo kay warna la o yi fali hetaaji bele en njiba o on dum nana pourquoi on gonde do haade vous êtes non dum do ko fay ko moy la fay ko do ala yimba wi so police deri la wi ben ha ben ragasi sa fele jam dal wartet pa ko no way ko fitan ka ade jabi ko bariko dum do ni fokk yimbe pama dum mbimi non ya des hommes tellement intelligents je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne comprennent pas ça c'est ça le problème dum woni darne men hande futur nana yono keblen julen tiagal dum no min bini
goto mon fof ma men dokudum kongol kala joginodo nyimore faade acheté mais c'est l'occasion kala mon joginodo kongol question faade amen yo ha min jabo te mo bene kala hen jogidu kena beyta min nyaagi sa ko ron tourno no way beydude bele amani be barum woni beydo wadde nafore on jaram assalamu alaykum wa rahmatullahi. Attendez, 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 attendez